On ne dirige pas par défi. Constant Moutamba, certes, Mangamboazo ça là, il y a certains bazar pour oui. Et d'autres bazar contre. Mais il y a tout moment sur le côté na ba guerre na batou. Ozo dirigé par défi. Olingo like ça batou que oza est le plus intelligent que batou nyonso. Tu vas connaître des problèmes parce que au komi ben de la ba guerre moko boye ou koye baté bisikani no outil. Guerre moussou se koza la spirituelle, moussou se koza la physique. Lelo oyo Constant Moutamba dans son chef, il y a de l'orgueil, il y a de dictature. Il traite le gens avec beaucoup de légèreté, manque de respect contre les uns. Et Nyon Soana, ce n'est pas le caractère d'un bon chef et d'un bon leader. Un ministre dit que parmi les magistrats, il y a des voleurs. D'abord, il est juriste. Par qualificatif, il y a sens allant dans le sens n'est un voleur. Aïe biaza juriste. Mais si tu traites les pères de famille comme un voleur, tu vois quelle sorte il y a guerre au Yoroki Gomi Memela. Je ne suis pas d'accord. Ils sont empoisonnés, mais je donne les conseils pour tous. Bah oui, il faut aller, tenez-moi ma casse pour le système de Jezali Mabé. Non, écoutez, le système ne change pas comme ça. Donc, Moutounioso alinga aba dictéité. Mais Batounioso alinga coopération. Les raisons pour laquelle Omoni Balobaga, qui aime bien, châtie bien. Prendre des grandes décisions, mais dans la paix. Même la première ministre vient de faire un circulaire demandant à Constant Moutamba de privilégier la cohésion entre Yé et Abam. C'est-à-dire, comme déjà pour limiter pouvoir, il y a Constant Moutamba. Soit, ce qui a sali en côté, le mieux serait à démissionner pour nous garder Valère. Cet appareil judiciaire a été géré également par plusieurs ministres avant hier. Il n'y a jamais eu ce qu'il y ait au ESO comme à l'ELO. Ah bien, il y a ça, l'indicateur, il y a changement. Non, indicateur, il y a changement, ce n'est pas par des paroles. Parce que jusque-là, Constant Moutamba n'est fait que parler. Il n'y a pas un arrêté signé par Constant Moutamba. Constant Moutamba doit agir comme un ministre. Il ne doit pas agir comme un politique. Atcha moi, maï na vin na ye. Et vous soumaye. Le dé national, 2000 personnes ont été tuées. Hier, on a arrêté un journaliste. On respecte les droits de l'homme. Human Rights Watch, peuvent suivre ça. Un ministère international peut suivre ce discours. Un gouvernement de génocidaires. Donc, ils sont venus se moquer des Congolais ici. Ils ont tué 2000 personnes en prison. Ils disent qu'ils ne violent pas les droits de l'homme. Le Congo ne peut pas être membre aux Nations Unies pour les droits de l'homme. Les noyaux des droits de l'homme, Ezali, tant donné ni Yali Bosso, on ne peut pas ôter la vie de quelqu'un. Parce que yote moutou pesiye bomo iwana, okuki ko longola ye bomo ite. Yali Bosso, il y a eu le nombre de morts pour les Labawazalen. Oui. Ils ont été assassinés, tirés à bout portant. Mais pourtant, les Wazalendo là, nous les reconnaissons, ils ne représentent aucun danger, contrairement aujourd'hui, Bangonde Bazo. Ça la moins fierté pour que les M23 na AFC bah avancent ensemble avec nos FRDC. Yami Balé, nous venons de voir à Kilwa une dizaine de morts. Yami Satou, ce qui s'est fait le plus de 200 enterrements à Goma. Il y a 4, c'est carnage, la prison à Makala. C'est le gouvernement, c'est le régime qui tue. Mais sous Joseph Kabila, il y a eu des sanctions. Et l'IDP s'est également demandé des sanctions pour les régimes de Joseph Kabila. Moi, je pense que Franck Diongo n'a pas seulement tort par rapport à Yabiloko ou à Outiko énuméré. Raison en AP, ça doit faire réfléchir normalement à ba dirigeant Yambo Kanabiso. Mais aujourd'hui, on nous dit que non, Ndengezawana, sanctions parce qu'il a convoqué. Soi-disant conseil de ministre. Mais maintenant, je me pose la question, on va sanctionner qui? Je pense qu'il y a des guéguerres dans le gouvernement et des contradictions totales. Ici, on conclut que même quand le président de la République arrive, même s'il va convoquer le conseil de ministres, je pense qu'il n'y aura pas une résolution pour apaiser tant soit paix. Ma famille, Yao et Bakoufeli, tout ce qu'ils sont en train de tenir comme discours, ce sont des paroles en l'air. Et Bissot, Oyo Tozozela, normalement, la démission du ministre de la Justice, la démission du ministre de l'Intérieur, la démission du ministre et du DG du prison, les directeurs et la prison, il faut démissionner. Bakanga, ba policier nyonso ba salaki sécurité jour wana, militaire nyonso ba salaki garde ya mokolo wana, parce qu'il s'agit quand même de vies humaines. Si le gouvernement échoue
na makambu ya sécurité ya prison ya Makala, même la première ministre doit partir. Parce que depuis Péazawana, on ne voit rien de spécial, rien de bon et rien de grave. Seulement de discours na ba descente mongoboe ou bisomoto ebite sans sarangon sokezanine. Le régime, excusez-moi, a tué, le régime a assassiné, le régime a fait les carnages. Nous devrions normalement voir ba ONG oye bandaga ko koma série à Joseph Kabila oye bandaga ko pesa ba nombre de morts et continuer ko ça la même misala. Malheureusement les lo oyo ils sont tous dans le poche des régimes de Félix Tshisekedi et voilà ba komi impuissante ya ko sala musala oyo esengeli. Bon début de la semaine à Mabota Abino, Bande Kobalandia, Piscar Télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend surtout de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci de la fidélité Nabino, merci de la confiance au Bozalou qui renouvelé dans la chaîne de vérité, puis l'émission Nabino tête à tête. Voilà pourquoi toujours la société Nabino vient former Bino en temps réel. Mais surtout dans la vérité, tu as une singe à quoi embasser ces plateaux. Moi, la mboka Floribéa, naïe, n'est pas sur la mambi, ma tali, mboka nabiso, République démocratique du Congo, actualité. Mais je suis, grand événement à venir. Et voilà, déjà c'est ces plateaux, moi, la mboka Floribéa. Bonjour. Oui, bonjour, moi, la mboka Jonas, n'a pas sur mbote, n'a pas sur mbote, n'a pas tout nyonso. Oui, babandi, semaine, n'a mis les lots, babandi, pe semaine. Nanzambe bao babandi semaine na ndenge ya malamu bao pe bazo ebate comme est-ce que semaine ekosuke la bango. Alors je suis venu répondre à ton invitation, merci beaucoup. Merci, merci à Nana Lobby et à quoi répondre à l'invitation à Bissot et puis merci à Opé Sabisso Macanissé Serba. Si j'ai d'actualité d'entrée des jeux une semaine jour après carnage à Makala, Félix qui est de retour dans Gamboya Chine, c'est bon convoqué conseil spécial des ministres pour Nabongo Solola Simaye et les cas qui l'ont Gamboya prison. Pouvons-nous dire quelle est aux sanctions? Moi, je pense d'abord qu'il y a de l'injustice dans le chef du président de la République. À quel point? Il y a les bosso Tomoni Bandeko Herba Beti Bale Tomoni ministre et sport. Oui. Accueilli na téléphone naé président de la République a encouragé ba joueur tout ça. Mais quand il y a eu tentative d'évasion, carnage en prison à Makala, tout moni place mon côté au président de la République a condamné ba action. Ce qui yo tanga ki na compte naé à Twitter même ko tweeté pour na lobe la makambuana, moi nulle part je vis ça. Maintenant, je me pose la question. La vie des Congolais représente quoi chez le chef de l'État? Bomoui, yaba Congolais, oyoba bomi, et pas ba militaire naïe. Ils ont représenté Nini et pas naïe, président de la République. Mais le premier ministre a réagi. Pourtant, je parlais du président de la République. Pourtant, il est chef d'État. Il est le responsable politique. Il y a une action nyonso oyouti koleka. Sur le plan politique, c'est lui le responsable. Mais aujourd'hui, on nous dit que non, Ndengezawana, l'ère des sanctions, parce qu'il a convoqué, soi-disant, conseil des ministres. Mais maintenant, je me pose la question, on va sanctionner qui? Parce que les sanctions, déjà, de l'autre côté, na moni na ba membre SNEL, certains DKX baza arrêté. Oui. De l'autre côté, on donne l'ordre que bakanga gouverneur y a prison. Pourtant, le gouverneur de la prison azali prisonnier. Oui. Constant Mutamba obi faut bakanga ye prisonnier bako kanga ye po bachaye wapi. Ou bien ça sera une façon ya bobimisae, peut-être va changer de prison, nenge azana makala, bazongisi na parquet ou comment. Troisième élément,
Le directeur de la prison qui est porté disparu jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, un gamba politique pour certains. Ouais. Bamisu balobi qui a que celle ça ba soin de santé et tout. De l'autre côté, il y a, je pense qu'il y a des guerres dans le gouvernement et des contradictions totales. Oui. Premier ministre a soulevé Kango entre Bango et le bi sabotage ou le bi Zélo Mugazaki Bongo. Prémédité. Oui. Ouais. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, le jour la première ministre a Kendakina, quelques membres du gouvernement, je n'ai pas vu le ministre de justice. Je pense qu'il y a Zalagité. Il y a Zalagité dans la capitale, apparemment. Il y a Liboso. Il n'y a pas eu tour naïe. Et Rayen a tourné à tenir un discours contraire par rapport à un discours où il a tenu et pas la première ministre. Mm. De l'autre côté, Ernaé Rolanda, ministre à l'intérieur, n'a tenté un discours naïs contraire par rapport à trois discours au Tolandi. Dans quatre discours, il y a vice-ministre au Aloba qui a eu deux morts et plusieurs blessés. Donc, ici, on conclut que même quand le président de la République arrive, même s'il va convoquer le conseil des ministres, je pense qu'il n'y aura pas une résolution où il faut apaiser tant soit paix, ma famille, yao et ma koufeli. Je pense qu'il n'y aura pas une solution où il faut une solution par rapport à ma. Excusez-moi, la tautologie par rapport à carnage où est Salemi. Parce que sur le plan de responsabilité, politique, je l'ai dit, le président de la République est le premier responsable, le ministre de l'Intérieur également, parce qu'il a parlé de la préméditation. La préméditation, c'est quelque chose qui a été préparé bien avant par un certain groupe d'individus. Mais pourtant, nous avons les services de l'ANR, nous avons les services de la DEMIAP, nous avons presque toutes sortes de services intelligents. Peut-être cette situation qui a été préméditée, n'a pas fait cela. Tout ce qu'ils sont en train de tenir comme discours, ce sont des paroles en l'air. Que Bissot, Oyotozo, c'est là, normalement, la démission du ministre de la Justice, la démission du ministre de l'Intérieur, la démission du ministre et du DG du prison, le directeur et la prison, il faut démissionner. Bakanga, ba policier nyonso, ba sala ki sécurité jour wana. Ba fardesse, ba militaire nyonso, ba sala ki garde ya mokolo wana. C'est à partir de là qu'on va voir que. Et puis, tosengi ezala ba procès moko public. Parce qu'il s'agit quand même de vies humaines. Ezali bomoui ya ba congolais nde ouyo ba bomi. Alors, on ne peut pas aller dans le sens où, pendant qu'on est en train de tuer les Congolais, de l'autre côté, le président va venir en retard. Hier, a commis en retard. C'est juste pour convoquer. Bon, en fait, je comprends comment est-ce qu'ils sont en train de fonctionner. Mais je pense que ça ne donne pas l'honneur d'un président de la République. Suite à ce qui s'est fait et suite à ce qu'il est en train de faire, ça n'honore pas. Ça n'honore pas, mais M. Soubatouazaï, comme tout, pourquoi version officielle, version gouvernement, ils ont peine à convaincre que tout est en prison, évasion de l'intérieur. Non, en fait. Il n'a pas quatre années passé au Bimalbanda ou ça ou commettre ou commettre à tout ça la pionne. Écoutez, vous savez les prisonniers tels que Bazaouana. N'expliquez-le comment. Prison est allié mon co stratégique. Ma prison n'y sort au monde. Et prison Ezali lié moko o ezalaka mieux sécurisé. Raison pour laquelle vous verrez la prison à Makala, ezana trois murs ou quatre murs. Prisonnier nyon sonakati ya prison ezalaka na pousa ya ko s'évader. Ya ko kima. C'est logique. On est logique parce que mutu moko ta linga za la prisonnier. Prisonnier nyon son même na moment tozo sa l'émission sikoyo. Ezana ba monsieur sou bazo raisonner comme est-ce que ma ko kima. Raison pour laquelle les services, il y a sécurité,
il faut est jouer au jour les jours comme est-ce que Makambouana baroque ko faire échouer en gros. Parce que si vous lisez la loi Oiza il y a 1965 et ça a été abrogé en 2023 loi sur des maisons d'incarcération. Ba pekisa comme on a 3-4 prisonniers ba sangani place moko. Ba pekisa ba réunion na kati ya prison. Ba pekisa ba bilogo nyonso na kati ya prison. Contrairement ba prisonnier ba tu ba sala ga sécurité ya ba prisonnier baza ba prisonnier bango moko. Bato balambelaga ba prisonnier baza ba prisonnier bango moko. Même ba o bazo soigner ba prisonnier kuna ce sont des prisonniers la majorité. Et maintenant na kati ya prison wana ezana ba ekiri. Na kati ya prison wana koma même na ba orchestre ya musique. Mais herba lobi que 3-4 personnes ou bien 5 un groupe de personnes ba koki ko sangana te herbo ndimi ba to ba sa la musique na kati ya prison. Est-ce que vous canissez réellement bazo sala kaka musique ou bien pendant que bazo kutana baza pena makambumsu bazo solola. Donc si le gouvernement échoue na makambu ya sécurité ya prison ya Makala, même la première ministre doit partir parce que depuis Piazawana on ne voit rien de spécial, rien de bon et rien de grave, seulement de discours na ba descente mongo boe ou biso moto ebité sans rangon so kezanine. Le régime, excusez-moi, a tué, le régime a assassiné, le régime a fait les carnages et raison pour laquelle aujourd'hui nous devrions normalement voir ba ONG. Il fallait tout mon aba ONG. Oye bandaga koko maserie à Joseph Kabila. Oye bandaga koupe sa ba nombre de morts. Et continuer comme ça la même misala. Malheureusement, les lots Oyo, ils sont tous dans le poche de monsieur, du régime de Félix Tshisekedi. Et voilà, bakomi impuissante. Yagosala Moussala, Oyo et Sengeli. Donc, c'est vraiment très difficile pour ces pays. C'est vraiment difficile pour ces pays. Président Makala, ministre de la Justice, Lelo, Constant Mutamba, toujours les comprendre. Kazali Bongo empoisonné Bironaï, et qui a empoisonné par substance Mokan, où ils allaient révéler, pour nous dire qu'il fait peur. Maintenant, il y a eu une initiative où il y a su réformer sa idée dans le ministère. Écoutez. D'abord, nous avons la police scientifique. La police scientifique est là pour nous faire des enquêtes scientifiques. La police scientifique peut prendre les empreintes. Il y a Moutounyonso ou à Simbaki, n'importe. La police scientifique veut même contrôler là où nous, on ne peut pas arriver. Et à partir de là, il peut y avoir une solution. Ne nous amenez pas à un niveau de croire comme si dans ces pays, il n'y a pas la police scientifique. Et je existais. Mais maintenant, vous savez, dans la classe, même si tu es intelligent, à un certain moment, il faut remis ça à la zone. On ne dirige pas par défi. Okay. On ne dirige pas par défi. Constant Mutamba, certes, il est intelligent. Certes, Mangambozo, ça, là, il y a certains bazar pour et d'autres bazar contre. Mais, il y a tout moment, ce qu'on continue à guerre, à battre. Aux autres dirigés par défi. Au lingon la ça batou que osa est le plus intelligent que batou nyonso. Tu vas connaître des problèmes parce que au komi ben de la ba guerre moko boye o yoye baté bisikani no outi. Guerre moussou se osa la spirituelle, moussou se osa la physique. Et maintenant, un bon chef est celui qui a un tempérament de paix. Écoutez, il y a des gens qui sont dans l'ombre, mais ils contactent plus dans le régime. Prenons le cas de Katumba Mwanke. Jour où nous avons Katumba Mwanke, c'est la déclaration. Jour où nous avons Katumba Mwanke, c'est défier qui que ce soit. Mais il jouait un grand rôle dans le régime de Joseph Kabila. Il était le tout puissant. Vous comprenez? Tous les exemples, Moussousou. Toujours exemple, il y a Bifor. Place mon côté de mon aïe, ça la déclaration. À part ma cambouya, il y a Nid, il y a carnet d'adresse. Nde à l'oba.
mais il était le tout puissant dans le régime, il y a Félix Tshisekedi. Mais prenons maintenant les cas qui ont dirigé avec beaucoup d'orgueil, les cas de Jean-Marc Abound. Il était très hautain, ça nous devons nous le dire. Ouais, peu importe, qu'il y a un prison, nous compatissons. Mais il y a Zala qui n'a moins excès des ailes exagérées. Jean-Marc Abound se faisait roi, il se faisait la loi, et tout ça, les lots où Jean-Marc Abound a souki na prison. Les lots où Constant Moutamba, dans son chef, il y a de l'orgueil, il y a des dictatures, il traite les gens avec beaucoup de légèreté et manque de respect contre les uns. Et Nyon Soana, ce n'est pas le caractère d'un bon chef et d'un bon leader. Quand un bon leader, par exemple un ministre, dit que parmi les magistrats, il y a des voleurs, des non-voleurs. D'abord, il est juriste. Ayebi, qui est censé, il y a copé ça, qualificatif, il y a sens, allant dans le sens, il est voleur et tout. Ayebi, il y a un juriste. Mais si tu traites les pères de famille comme voleurs, tu vois quelle sorte il y a guerre au Yorokigomi Memela. Tu as un deuxième cas. Parmi les magistrats là, il y a des professeurs des universités. Parmi les magistrats, il y a ceux qui sont vieux plus que même Constant Moutamba. Et maintenant, quand Constant Moutamba dit que à tout moment Azoko Tanaba guerre naie naba magistrat, je pense que ça ne sera pas bénéfique pour lui parce que le magistrat bazaba fonctionnaire il y a l'État, mais lui n'est pas fonctionnaire de l'État. Il est là pour un temps. Oyo, même les lots Oyo, Baroki va changer, Bache Moutoumoussousou. Mais moi je me pose la question, après qu'il ne soit ministre de la justice, toutes les accusations et Goki Gozalami, Libosonae, ce sont les magistrats qui peuvent aussi les monter un coup pour Nankangaye. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord qu'il soit empoisonné, mais je donne les conseils pour tous. Pour n'être ingapé, un bon jour je serai le ministre. Oui. Mais quelle sorte il y a ministre dans vos ans? Bah oui, il faut aller, il faut aller ma casse pour système de Jésus. Non, écoutez, le système ne change pas comme ça. Système change à gal. Tala, au moins il y a des stratégies. Bissot, moi je fais la gestion des stress. J'ai fait la gestion de personnel. J'ai fait la estime de soi. Natanga pe penser positif. Donc mutu nyoso alinga ba dictéité. Mentalement mutu nyoso alinga ba dictéité. Mais batu nyoso balinga coopération. Bien raison pour laquelle omoni balobaga qui aime bien châtie bien. C'est-à-dire tu peux prendre des grandes décisions mais dans la paix. Or, ce qu'on matisse la qualité, tu deviens un roi et tout le monde va s'incliner vers tes décisions. Mais si tu deviens quelqu'un où tu es tombé trop bas, moi je pense que Constant Moutamba devait prendre des décisions par arrêter. Même la première ministre vient de faire un circulaire demandant à Constant Moutamba de privilégier la cohésion entre yé naba magistrat. Donc c'est-à-dire bah commis déjà pour limiter pouvoir ya Constant Moutamba, herbazo limité en haut jusqu'à la fin, il va devenir un et on va vraiment les rendre légers. Soit ce qui a sali en haute, le mieux serait à démissionner pour nous garder Valère Naé, parce que ce qui a sali en haute jusqu'à ce que il y a aussi suspendre. Et il faut reconnaître aussi, cet appareil judiciaire a été géré également par plusieurs ministres. Avant hier. Il n'y a jamais eu ce qu'il y a eu. Il y a un indicateur, il y a un changement. Non, indicateur, il y a un changement, ce n'est pas par des paroles. Parce que jusque-là, Constant Moutamba ne fait que parler. Il ne fait que parler, il n'y a pas une décision écrite. Il n'y a pas un arrêté signé par Constant Moutamba. Constant Moutamba doit agir comme un ministre. Il ne doit pas agir comme un politique. C'est vrai qu'il est politique, mais à un certain moment, Et de l'autre côté, ce qui est au Fandi Boye, au Tali,
par exemple la décision qu'il dit que batin dans les sous prisonniers na prison ya makalate. Maintenant posons-nous la question. Quatre garçons mon gros voyou ba violer une dame. Ba sala nini na batuana. Surtout que parquet a gardé à 48 heures et oui. Dans un espace terre. Espace exacté. Ba bumbi ba zokisi mutu makasi ba sala nini na batuana lolenge wana. Donc raison pour laquelle il y a la sociologie des droits. Avant de prendre toute décision, il faut faire une étude sociologique. Les comportements de la société. Comment est-ce que les sociétés ont se comporté? Pour risquer aux décisions, il est commis pour affaiblir l'appareil judiciaire. Parce que cette décision-là ne peut jamais être acceptée ni exécutée par n'importe quel juge. Parce que à une loi injuste, nul n'est censé obéir. Même une loi mal donnée ne peut être exécutée, et ça constitutionnel. Donc, à ce sens-là, Constant Moutamba doit vraiment voir avec son œil les lots hauts jusque-là, les 5 millions de dollars, il y a construction à prison, ils ont guetté. Mais on cherche à donner la responsabilité aux autres. Si les 5 millions de dollars, bah, on a qu'à prison, Mogoboy. Atana Maloukouana, l'État a plusieurs espaces. Il y a quand même et calmé la situation. Mais comme ça les maté, Moutoualia 5 millions de dollars à Zamoussoussou, et la responsabilité, on cherche à la donner au magistrat, même si la prison est allée n'est allée du Wana, ce n'est pas pour autant qu'il faut accuser les uns au détriment des autres. Ce n'est pas ça. Pouvons-nous dire que le Premier ministre Judith Suminwa a une raison, tant que nous avons un membre du gouvernement, pour nous rappeler que la population a été la bangote, na ba recherche sa vie, na ba plateforme sur les réseaux sociaux, la population a été la bango, comme on a bango na misala, et puis réqualifier le quotidien na bango. Mais elle-même d'abord, la population a été la bango. Ce qu'elle a dit, elle a raison, mais il y a beaucoup de population. La charité est bien ordonnée. Vous savez, normalement, dans des pays sérieux, c'est la première ministre qui joue la diplomatie. Il n'a pas déployé aucun voyage. En fait, il n'est même pas question de voyage. Monsieur Antoine aime travailler avec des premiers ministres faibles. Monsieur Antoine aime travailler avec des premiers ministres où il a occupé sa banque ou injonction. Entre autres, Ilung Kambakoka qui était parce qu'il était un premier ministre fort. Et pour Yéba qui est important, c'est un premier ministre. Sama, quasiment inexistant. Mais Maman Judith, quasiment inexistante. Mais maintenant, même si Alobi Bongo. Prenons le cas. Écoutez, il y a eu une conférence qui devait être organisée dans 1020 ans. Dans les bâtiments, ce qui a centre financier. Voilà. C'était un projet, il y a Conseil national, il y a jeunesse, oui. Avec son président, William Mukambila. Ils ont débattu avec le premier ministre et le président de la République, Narare. Objectif, ils ont dit que le président et le Conseil national, il y a jeunesse partout en Afrique. Baïa Awa, ils ont la conférence, la table ronde, et conférence et permettre à ce que Bangonion soit tenir discours, il y a pour faire accepter dans le monde qu'il y a eu génocide dans la RDC. Vous comprenez? Qu'il y a eu génocide dans la RDC. Et le président a dit qu'il y a eu. Et maintenant, le monsieur amène le projet chez la ministre. Ministre à la jeunesse. Ministre à la jeunesse a eu projet échangé au lieu de Tchamouto et Ayakina projet comme coordonnateur, comme coordonnateur adjoint. A Sangisi, ba membre à cabinet, bande konaye, tout ça. Mbongo et Bima, c'est une somme colossale pour organiser l'activité. Mais jusqu'aujourd'hui, Yali Bosso, ministre à la jeunesse a fini si RDC. Pour causer là-bas, invité, c'était 86 invités. Ba visa ya pamba oyo, pour ba tenir ba discours ya kondima ça,
partout dans le monde que les RDC, la RDC est d'abord menacée par le Rwanda. Yami balé RDC et zali pays moko oye connaître ba génocide. Azangi même routine de là-bas, même les invitations nanini MVB ba visa ya pamba po baya. Malheureusement na plein au lieu de 86, ils ont décroché une vingtaine ou trentaine ya ba visa. Batouana baye. Je vous dis cette histoire très très mal organisée, mbongo ebimi batouana ba tenir discours té, il y a eu des députés na kati ya salle, mais la première ministre la ministre de la jeunesse absente. Mais maintenant posons-nous la question. Batou oyo baya ki wana. Rapport ni ne baké nango na ba pays na bango. Mais elle est là. Elle n'a jamais été sanctionnée par la première ministre. Azawana, mbongo est-ce que zongi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que ministre et la jeunesse a zongi si mbongo? Parce que je peux vous dire, dans 1020, wana, ce qu'ils ont payé, c'était 37 000 $. J'aurais appris. 37 000 $, il n'y a pas mbapo na louer 1020 wana. Mais vous voyez le nombre de la jeunesse au Bakenda qui place wana. Bakoma sur place, il y a eu même des députés nationaux. Oh, Bazalaki wana, Bazalaki vraiment honteux. Mais maintenant, un tel ministre, place ça na ezarapi. Bako longola mais ministre ya jeunesse wana te, incompétence à niveau wana bako longola ngote. Parce que c'est le rôle du ministre et du premier ministre. Ceux qui a monique na secteur X et aussi mbata pour changer. Aza ici à partir à Fifi Masuka. Mais elle n'est pas la seule. Bako senga na regroupement na batinda mutu mususu. Ya longwana nu. Parce que depuis ya koma comme ministre ya jeunesse biso tout okoma bampaka. Parce qu'on se pose la question, comment est-ce que Mouto Yazana aille bien l'autre côté sur, en termes de gestion. Togoloba, il est triste, mais moko administratif. Il est triste, mais moko sur le plan, il y a pour diriger le secteur. Mais pourquoi est-ce que Bazo garder tel ministre? Bazo garder les Enini. Et l'autre n'y a sali, à part que vous reconnaître, et belé, y a make-up, elle est jolie, ça c'est bien. Mais maintenant, on n'a pas besoin de ça. Que la première ministre Asunga, biso ministre à jeunesse, Balongolaye, les Lomboka 1, ils ont échoué pour faire accepter que la RDC est allée pays moko. Agressé par les Rwanda, la RDC a connu la génocide parce que ce sont te batouana baza ba ambassadeur na ba pays na bango baza bango nde bazo ba simba ka jeunesse mobiba ya pays na bango. Et quand ils ne les font pas, quelle est l'image ya bateau ba déplaçaki ba yé au pays hôte et comme ko s'incliner pour na ko senga bango ba pardon. Pour participer, ils ont accepté, mais la ministre n'est pas venue. Aucune sanction. Mbongo est en guité. Mbongo est en guité. Et elle est là, elle a participé. Surtout, c'est passé inaperçu. Et elle est qui inaperçu? Et aucun jeune n'en parle. Jeune, Mbongo est en guité. Vous voyez, c'est ça le gouvernement de Madame Judith. C'est ça l'état actuel de notre pays. Donc, je me dis que Mboka Oyo, sous le règne de Félix Tshisekedi, Mboka est en chance. Sous le règne de Félix Tshisekedi, Mboka est en chance. Mon Mboka Floribéa, pour finir, réaction à vous, dans la vidéo Oyo, il y a mon Mboka Franck Diongo, dans le Gambou à Genève, puis le Conseil des droits de l'homme, et Zalaki Bongo Teni, Azadiko Senga. Nabango, na conseil wana que RDC a la sanctionné, RDC a la puni. Cette façon de faire, cette façon de voir des choses, un opposant à se rendre na rencontrement international pour nous plaider à sanctionner propre pays. Est-ce que en étant opposant, il n'y a pas de limite? La ministre il a dit ici gardons le silence. Ont-ils fermé le dé national? Le dé national, 2000 personnes ont été tuées. Hier on a arrêté un journaliste. On respecte les droits de l'homme? Human Rights Watch peut suivre ça? Un ministère international peut suivre ce discours?
un gouvernement de génocidaires. Non, 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 c'est en sérieux. Si tu es complice, excusez-moi. On est à l'ONU. C'est un pauvre du pays. Donc, ils sont venus se moquer des Congolais ici. Ils ont tué 2000 personnes en prison. Ils disent qu'ils ne violent pas les droits de l'homme. Le Congo ne peut pas être membre aux Nations Unies pour les droits de l'homme. Oh, on a pris Jean-Claude Vouemba. Oh, il a dit chapeau. Écoutez, il n'est pas question d'être opposant ou ne pas demander les sanctions, c'est deux choses différentes. Écoutez, déjà, Herbasalagi levé un moratoire sur la peine de mort, notre pays devait normalement balongola yangona ba organisme et à droit de l'homme. Je parle sur le plan scientifique. Loin de moi, ma appartenance politique, parce qu'ici je n'engage pas les FCC, je parle en tant que Congolais. Natanga Yangona, le droit des droits de l'homme. Je salue mon professeur Ngandou. Chaque pays a des mécanismes. Il y a droit de l'homme. Mais maintenant, nous avons le noyau des droits de l'homme. Les noyaux des droits de l'homme, Ezali, tant nené ni Yaliboso, on ne peut pas ôter la vie de quelqu'un. Parce que yote moutoupe si yebo mouiwana, okuki ko longola yebo mouite. Ça c'est un. Mais ici, balongoli moratoire, il y a peine de mort, et on dit qu'on va commencer à abattre des gens, ceux qui va condamner à mort, ceux qui va zuye fouba bon mayo. Et maintenant, Yaliboso, il y a eu le nombre de morts pour les sectes spirituelles Yabawazalen. Oui. Ils ont été assassinés, tirés à bout portant. Mais pourtant, les Wazalendo là, nous les reconnaissons, ils ne représentent aucun danger. Contrairement aujourd'hui, Bangonde Bazo, ça la moins fierté pour que les M23 AFC avancent. Ensemble avec nos FRDC. Mais Bazala qui y a au moment. Yami Balé, nous venons de voir à qui loi. Vous comprenez? Une dizaine de morts. Yami Satou, ce qui s'est fait, le plus de 200 enterrements à Goma. Vous comprenez? Il y a quatre, c'est carnage. La prison à Makala. C'est les gouvernements, c'est les régimes qui tuent. Mais sous Joseph Kabila, il y a eu des sanctions. Et l'IDPS a également demandé des sanctions pour les régimes de Joseph Kabila. Mais dit qu'il s'agit de l'opposition ou des patriotes et tout. Mais les lots Oyo, à l'égard de tout ce qui s'est fait, mais normalement, dans ces organismes-là, on doit quand même voir que vous ne respectez pas
les ordres, ma valeur, ça procède, il y a organisme. Vous comprenez? Et cela peut faire sujet d'un débat. Par exemple, inviter ceux qui nous représentent de l'autre côté et leur poser des questions, entre autres, qu'est-ce qui se passe normalement pour que les Congolais basent la sens. Moi, je pense que Franck Diongo n'a pas seulement tort, vous comprenez, parce que nous devons nous le dire, il n'a pas seulement tort. Azapé n'a raison par rapport à Biloko ou à Outiko énuméré. Raison en appel, ça doit faire réfléchir normalement à ba dirigeant Yambo Kanabiso. Et puis de l'autre côté aussi, s'ils ont entendu ce que Franck Diongo a dit, ils doivent réfléchir mais mille fois. Dans un état des droits de l'homme, on ne peut pas arrêter, enlever de personnes n'est pas au salaire. Na minicho Pius Romain, Azana na Caval. Aujourd'hui, Claude Machal, Azana Caval et Seth Kikuni enlevé. Donc, on arrête des Congolais en violation, il y a un principe normal. Et nous, on a les droits de l'homme, il y a un cannabis, il y a un mouvement, il y a droits de l'homme, un mouvement citoyen, un mouvement. Ils ont affaibli. Ils ont affaibli. Donc, je pense que Franck Diongo, il a raison. Sur le plan scientifique, je le dis bien, sur le plan scientifique, il peut avoir raison. Maintenant, sur le plan politique, bon, moi, dans cette analyse, je n'entre pas politique, je reste scientifique. Quant à ça, la manière d'incarcérer les gens, ça viole les droits de l'homme. Manière ya ko kanga batu o ko kende na ba même na ba kende même awa ko ta na ba parke nyon sota la eta oyo batu bazale li na prison bazo sou ba kaka wana. Donc prison ezana solo mabe mutu so ga bimi na kata kacho même prison fois bela, vous comprenez? Donc ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Ben, il y a plus qu'à la télévision. De comme il y a Souka et Mission Abissom Koualelo, moi, j'ai beaucoup à Floré, il y a un message à Souka. Oui, message à Souka, exacté. Sauf que je remercie Batounion, comme je l'ai dit toujours. S'abonner pour Bazangate. Surtout, partager. Partager, liker. Donc voilà, c'est ça le dernier message. Mais. Chic Moukadi, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire au patron de chez Bissot TV. Joyeux anniversaire au père fondateur. Il y a Bravo Jésus Orphelina. Joyeux anniversaire à toi, Chic Moukadi. Vraiment, profite bien de ton jour. Merci beaucoup, merci de nous avoir honorés. Amkoula Lelo, Maniko Balandia Piscar Télévision, Anne Tutuel de Tonan, émission Nabiso, c'est Zadou Bongo, Balad Bousso dans Nabiso, merci de s'abonner. Et puis, Kobo Sanate, activez cloche et la notification pour être toujours informé en temps réel, mais surtout dans la vérité. Pour moi, j'ai déjà merci beaucoup, Napopo Layoumbe, Oazouami Bongo, c'est ma caméra, DJ Joël Kombe, Joël Gonago, chasseur d'images, au revoir.